Avec YouTubeur, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous présenter un compresseur portatif que j'ai fait. C'est un truc assez sympa, avec de la récupération comme d'habitude. Rien ne se jette, tout se transforme. Et à bas la société de consommation. Allez, c'est un truc assez sympa, je vous laisse regarder ça. Action! Thank you.
ça montait jusqu'à 18 bars. Si ça monte jusqu'à 18 bars, moi je me fais, je sais pas, travesti. Franchement. Alors moi j'ai besoin du mano et puis de ça. Le reste, franchement, ils vous vendent ça à 20, 30 euros et ça vaut pas une thune. Allez, on désosse ça. Voilà, ça c'est un petit compresseur d'air et ça monte à 18 bars. Ils se foutent la gueule du monde, sérieusement. Sérieusement, ils se foutent la gueule du monde. Bon, moi j'ai besoin juste du manomètre. Voilà, du bon petit tuyau. On va prendre une longueur à 2,50 m. On verra bien. Mano. Tac, serflex et c'est monté. Alors là, c'est les deux cosses pour brancher à une batterie. Et là, c'est la fiche pour brancher à l'allume-cigare. C'est portatif, vous pouvez le transporter dans une voiture. C'est pour éviter de démarrer un gros compresseur pour gonfler un pneu, quoi. Voilà. Ça, c'est les fils. C'est branché à rien du tout, comme vous pouvez le constater. C'est un moteur de 12 volts. Là, j'ai la batterie Hitachi de 14 volts. Et on va brancher ça directement. Juste le moins. Là, au bout du tuyau, j'ai mis le manomètre avec le gonfleur à deux balles que j'ai démonté tout à l'heure. Ça, au moins, c'est du costaud. C'est vraiment un compresseur qui tient la route, quoi. Voilà, plus qu'à mettre en route. C'est mon vélo à assistance électrique que j'avais acheté il y a 2 ans. J'avais payé ça une fortune quand j'étais une fashion victime, moi aussi. Que là, franchement, je vois plus l'utilité d'acheter quoi que ce soit. J'avais payé ça à l'époque 2000 euros. Ça fait 8 mois que j'essaye de le vendre à 700 euros. Personne n'en veut. Alors, j'ai dégonflé la roue. C'est complètement à plat. On va gonfler ça pour montrer mon compresseur. Et ça marche du tonnerre. La roue est gonflée.